tangwe kokio yodu. Tangwe kokio yodu. DJ Stéphane. Bala mwange. Congo ya Lumumba Congo. Tafachi beton. Tangwe kokio yodu. Tangwango yango yo ekoki. Tolanda kango. Papa Stéphane, bala mwange, oye ye. Bien, voilà, bon début de la soirée. Et pas ba congolais, non, soba kota la biso. Très bonne nouvelle qu'on a bien voulu partager. Na ba congolais, baza belé, baza kota la biso. Merci surtout de soutenir votre pays. Merci surtout de mettre beaucoup attention à l'évolution makambo. Parce que on commence maintenant à constater que la participation de la population aussi face à l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo commence à payer. La collaboration société civile avec la FARDC mais également les Oazalendo, ça paye aujourd'hui. Au niveau de Kanyabayonga, il y a un des centres de dépôts de munitions et armes saisies par les Oazalendo et la FARDC. Les images dans cette émission. Les images dans cette émission. Parce que Tolobaki Boy, le problème c'était quoi? C'était de laisser entrer les ennemis et comme ça on va créer une stratégie pour les maîtriser à l'intérieur, en interne. C'est ce qui s'est passé. Parce que les ennemis, le militaire rwandais terroriste M23 ont pris possession, oui, de la cité de Kanyabayonga. Tant qu'on va commis à Kanyabayonga, ça l'y fait. Mais bah, tu vas bien ça qui n'a fait, bah, et tu vas être poli. Alors, au niveau de Kanyabayonga, il n'y avait plus moyen de sortir, d'aller prendre des munitions, d'aller prendre à manger à l'extérieur et les ramener au niveau de Kanyabayonga. Tous les axes fermés, bouchés par les Oazalendo et les FARDC. Et ça fait en sorte que les Oazalendo et les FARDC bah, continuent à l'intérieur, là où se trouvaient les militaires rwandais et les terroristes du M23. Bah, ravir bango un bon nombre, une grande quantité Yaminduki que vous allez suivre. Là, c'est déjà un acquis et c'est déjà un avantage pour nous parce que la majorité de la partie occupée par les M23 et les militaires rwandais, la partie est bakomiko dégagée petit à petit et nous allons suivre les dossiers tout au long de cette émission. Vous allez écouter des choses et vous allez suivre des images. Merci beaucoup. Alors, nous allons aussi parler d'un grand dossier ici. Kabila vient de se prononcer. Kabila vient de parler. Et aujourd'hui, on conditionne la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut mettre autour d'une même table Kabila, Katumbi et tous les autres autour de Tshisekedi pour négocier pour la guerre à l'est. Est-ce que la guerre à l'est nécessite la négociation Kabila Tshisekedi ou soit c'est Kabila qui agresse le Congo et c'est pour cela bah toi Kabila bazo senga na Tshisekedi a que le dialoguer avec Kabila. On en parlera dans cette émission et à la fin le lotozali le 3 juillet 2024 c'est la date prévue pour le voyage de la délégation à Vital Kamerhe au niveau à Canada pour aller représenter l'Assemblée nationale congolaise au niveau de la francophonie. Les assises débutent aujourd'hui déjà, et ça débutait déjà aujourd'hui, du 3 au 11 juillet. Est-ce que la délégation de Kamerhe et Kei, les images dans cette émission, est-ce qu'il y avait 1 500 000 décaissés pour donner à Kagame avec sa délégation de 23 personnes, précision dans cette émission? Merci de nous suivre de partout. Alors, moi, on m'appelle Jésus Yankole. Nous sommes Tango Koki RDC. En face de moi, c'est Mara Bobola. Moulobeliabana Mboka, un combattant de l'IDPS Yatongo. N'appelle-ci Mbote. Mbote, Jésus Yankole. Mbote, Pana Balandi Nyonso. Baye Bazali, ba fidèle téléspectateur. O Balinga, Tango Koki. N'appelle-ci Bino Mbote, Tango Koki. Pona Biso. Tango koki pona Félix Tshisekedi ya osilisa makambo ya guerre ya est tango koki pona biso ya ko travailler penza pona koluka ko tombola bongo somi ya peuple congolais
tant que koki na pesi mbote na ngai lisusu et pas na secrétaire général na ngai Augustin Kabuya oyo azali un peu victime ya ba attaque ya ba menace ya ba diabolisation mais biso ba combattant nyonso toza sima ya secrétaire général Augustin Kabuya après ko sala musa na ye ya malamu ya ko travailler pendant la réélection ya chef de l'état ya ko pesa lisusu majorité parlementaire pendant niveau ya parlement l'Assemblée nationale et encore il y a qu'on reconstituer les sous-sous bah regroupement politique et puis tout ça les formations gouvernement Mama Judith Abimi avec beaucoup de programmes il y a restructuration à partir je crois que le secrétaire général Augustin Kabuya avec beaucoup de respect tous au pays ça y est mon kako soit namusala sali très bien Ndeko Mara Bobola tout bandambala moko ko annoncer bandeko baza kolanda biso ebele alors prenons d'abord Je fais le choix à la première thématique que vous exploitez. Aujourd'hui, merci. Kabila demande un dialogue. Tu sais qu'il dit majorité présidentielle, opposition, Kabila autour d'une même table pour trouver la solution. Il y a problème où ils en ont est la République démocratique du Congo. Kabila aujourd'hui est considéré comme un sage. Kabila aujourd'hui, c'est un sénateur à vie parce qu'il a de l'expérience. Allez, qui plus ou moins 18 ans au sommet de ces pays. Alors, quand Kabila demande à Tshisekedi un dialogue, cela veut dire qu'on peut aussi trouver la solution chez Kabila que chez Poutine. On peut aussi trouver solution chez Kabila que aller chez Xi Jinping au niveau de la République chinoise. On peut aussi trouver solution à Kabila que de se confier aux Azalendo. Cette demande, cette proposition, il y a FCC Pepper de Ferdinand Kamere et Kabila à la tête, il y a aucun dialogue avec Tshisekedi, avec le pouvoir en place, pendant aussi de sa guerre na S. Comment est-ce que vous les trouvez? Est-ce que vous allez encourager des marchands? Ah là là, ngamara bobola. Na ce qui pambate parce que au moni ndenge balobaka ke soko moni ndoki obelela ndoki. Ato lali ozana ba cauchemar. Yo ke musikate. Sa life soko rate ko belela kombo ya Yesu. Belela ndoki. Aza musikate za kapemeni. E na motuna na yo na kulanda makambo ndenge kulutu na ngai Ferdinand Kamere alobi yango. Ezo la ki sa penza ke bato yo yo tiseke di chef de l'état ou alo baka ke mboka e kamama ki na bandoki na Lubumbashi e lelo to moni bandoki yango eza bato lokola bato bateni ba propo wana bino bo finga kaka non me ko finga eza lokola balobi ke yo zandoki menga na lobi bato yo bazali lokola bandoki eza bato wana ozo seka ça veut dire quoi? Tozali na besoin, oui. Toza na souci que makambo o eza kolika na est et si là. Bien sûr. Ça c'est les soucis de tous les Congolais. C'est les soucis même de nos partenaires fiables. C'est les soucis ya ambassadeur o baza na mboka na biso. O baza sincère. Ezali souci même ya ba certains Américains. Oyo bazali ko appuyer les Rwanda te. Ezali souci ya ba proris. Oyo bazali ko linga eke makamuza na este esanini esila. Ezali souci même ya ba chinois. Oyo bazali ko ye pa na biso, ba ko pesa biso misolo, bali ko tonga biso banzela, ba ko tonga ba infrastructure hospitalière pardon, bazali ko tonga ba infrastructure écolier, ezali souci ya biso nyonso. Mais to zonga marche en arrière. Total à moi sima. Et permettre biso tozonga bato. Est-ce que Ferdinand Kamere a koki kota la sima amituna mituna Kabila aujourd'hui azana stati o babengi ya sénateur à vie. Ça veut dire azana moto azana boya azana pétri na expérience et koki ko sunga mboka to sala nini to kende liboso. Mais to mituna à chaque fois que tu sais que di azana ba problème depuis ndenge azako gérer mboka est-ce que a pas nini oyo Kabila a aidé Tshisekedi mais divorce bino boluka divorce non omoni ndenge zalaka omoni soki na mami ki omutuna olinga toujours ko kimanga na ko zongisa langa mutuna yo ko sanga mutuna ndenge ni na tuna ote ko banande ni yo ko tuna nga mutuna na plateau ngai yango eza nini eza yo la pandai ki yo ndotuna ka bato mituna se nga na ko tuna mutuna te Jésus encore. Ok, papa.
Oh là là, ça veut dire quoi? Kabila, le chef de l'État, n'est dans le bango toujours Azali héritier politique ya Kabila. Ce n'est pas parce que Kabila qui a formé Tshisekedi, mais c'est Kabila qui a donné du pouvoir à Tshisekedi. C'est Kabila qui a cédé le pouvoir à Tshisekedi après les élections où ils allaient en 2018. Ce qui fait de Tshisekedi directement qui oh va bengi héritier politique ya nani ya Kabila. Moto a hérité ka eloko, eza moto ba tia ka ina ba disposition où il peut permettre que au moni awa papa abana ko bomba mbongo na ye à chaque fois soki a zwi mbongo abana ko bomba awa. Au moni awa lupango papa soma ki ngopona tata mo si na biso za kana mboka. Au moni awa ezali mo terre papa soma ka pona ba camarade na ba sisaka classe. Mais azaka na idée que apesa ba ngobo tango a mona ki bazaki engra vis-à-vis na ye nde azwaka lupango ya pesa ka ngone église ba tonga. Au moni awa wa eza place oyoyo papa sombaki omoni libala wana mutabali saka eza papa ça veut dire que héritier wana tangoyé abandi ko hériter biloko wana nda ko banda ko landela trace nyonso oyo papa tikaki mais tala Kabila depuis Tshisekedi azubo kunzi biso na IDPS Kabila sungi biso na nini Kabila sungi biso peut-être ne lokote en dehors ya bana oyo batu oyo bazalaki na FCC cash o bazaki na FCC pardon ba longo na PPRD toke na libala libala levanda ki malamu te libala levanda ki malamu te alors lelo oyo Ferdinand azako ya na logique ke to mekanisu su ko dialoguer na ba o ba bengi ba ba force politique et vive ya mboka na biso le dialogue n'est pas mauvais. Les Congo, nous avons toujours besoin de dialoguer. Mais tu peux dialoguer pour nani Jésus en colle. Bah dialogue union sur tout ça là dans mon cannabis. Au côté là que il y a un sérieux problème où ils ont dérangé fonctionnement. Il y a bah institution où ils ont préétabli. N'a bah autorité ou bah vendi. Il y a un problème ni na ministre ils ont dérangé moka fonctionnement où ils ont quoi empêché. Soit ils ont causé la crise entre le parlement et le gouvernement. Soit les cours et tribunaux. Soit entre bah institution où ils ont établi. Tu peux dialoguer pourquoi? Dialogue, où tu n'as pas dialogué dans FCC Cash et Simbité, il y a un lien ramené. Parce que dans l'époque, il y a FCC Cash. Tu peux croire peut-être qu'on dialoguait. Parce qu'à l'époque, il y avait un ministre de la Justice. Oyo Yebi, ou alors, il y a Yemei. Alobi Dangai, il a signé Biloko Anate. Voilà. Il y avait le conflit entre le gouvernement et le parlement. À l'époque, le président Jean-Marc Kabound. Na tata moi c'est Nangai grande sœur Nangai Janine Mabunda papa ndeko yo kanate à l'époque il y avait le PPRD avec avec IDPS parti na biso to bandeko yo kanate c'est ce qui pouvait au moins donner l'occasion to échanger to vendre autour d'une table totali la famille politique il y a ancien chef de l'État na famille politique il y a actuel chef de l'État to vendre na table to sololi mais na minute to rosola pourquoi alors 2015 excusez-moi 2015 Babengara Eden Kojo Ponanin. Papa Etienne, avec beaucoup de respect dans la mémoire d'ailleurs. Aya, Ponanin après Jeval, c'est parce qu'il y avait un problème. Il a fallu tout qu'il y ait une élection en 2016. Le 19 décembre 2016. Kabila n'avait pas respecté la constitution. C'est ce qui avait fait que Babenga Papa Etienne, le coup la sage, Aya, tout le monde à Jeval, Aya Awa, tout qu'il y ait un dialogue. Mais malheureusement, les sphinx délimités. Ouazaki aigle ya limité a comprenait que Eden Kodjo il était un pion oyo azalaki ya Kabila to kotaki na masolo anate to en 2018 gouvernement isalami ba toke na ba élection ndé sa to sa nini to zwa bokozi siko lelo oyo Kambere azo senga dialogue pourquoi est-ce que vous croyez je me pose beaucoup de questions vous croyez Ndekoma Rabobola que Kabila peut aussi aider la République démocratique du Congo na ba stratégie à trouver une solution parce que trop c'est trop au moni moto et si à l'éca balabala wana enda ebi place bon boule zali enda ebi place au kobeta liba kwa ko conseiller na nzela wana balobaka moto et si à kei ba conseiller ka été mais o alingia ke nene ba pesa ka etoli biso nous sommes dans un conflit oza ko boma ba congolais belé o to ko perdre ba localité na ba cité na ba territoire belé alors nous sommes censés récupérer certaines têtes au bako sunga biso na bitumba o face à Kagame alors Kabila peut aussi jouer ces jeux là nous, ce rôle là nous sommes d'avis que avec son statut du de l'ancien président de la République du sénateur il peut aussi jouer ce rôle d'aider le président de la République avec des conseils et certaines orientations
pas dans le sens de se moquer de la gestion du président de la République, pas dans le sens de pouvoir, je dirais quoi, de pouvoir pousser les chefs de l'État d'agir en mal pour que les répercussions au Ekoya et même ma chef de l'État n'a pas terrain moko boy o et que ça la pas si pour nabiso ya koluka ko se remonter tozon ali susu na stade tozana yango. La situation est à ko se vie na niveau ya est, qui est celui qui a commencé avec nani o ya signa ki accord na ba M23 to le moins na F na 7DP to yé na M23 depuis 2009 nani o ya signa ki ba accord sous la médiation ya Obasanjo ezala ki nani qui était le ministre des Affaires étrangères ba nani bandima ki ke tozwa mboka na biso zone moko tika la zone stérile pour la souveraineté Afrique banani bandima ki yango banani bandima ki to signé ba accord na M23 banani bandima ki tozwa 413 km ya mboka na biso to pesa na ba M23 banani bandima ki M23 il faut compte na gestion ya mboka na biso. Moi je crois que lorsque nous allons interroger l'histoire, l'histoire va nous permettre ya ko pesa biso ba réponse où ils allaient clair où ils montent mon côté à coquille au titibé vis-à-vis y a réalité. Mais aujourd'hui Kabila a coquille au salayango, mais azali lié na histoire et puis dans le présent azali lié na histoire. Pourquoi? Parce que bangonde bazaba géniteur bazaba créateur y a mouvement de M23. Pourquoi? Parce que Kabila a comment qui étouffé a comment qui na souka Kagame a ébissi et nous osons abokozi osan a deux objectifs. Premier objectif azali d'abord ya ko luka ko permettre biso to sala o ba benga ka to exploiter ba minerai ya Congo to lingi de rangement te to zuba or to zuba diamant to zuba cassiterite to ke ne kote ka libanda e ko permettre biso to ngambo ka biso Rwanda. Deuxième des choses e ko permettre ya se ke ba nyamulenge nyoso ba o ba bengi ba tuti Rwanda o ba kima na Congo to pesa bango nationalité congolaise mais ba ko zango ndeni ba komanda ko zango à travers infiltration à travers les brassages Ozui, un groupe mixage, pardon, Ozui, to mixé, armée rwandaise, soit ma groupe armé, baye, na FRDC, bakoti. Moto azala ki général, le coup na M23, boy, tango bo sali dialogue, asa inini, atikali général. Yosu yo mona John Numbi, na stati, ou bien na casquette, ya major, capitaine, lieutenant, asa na ngote, mais asa ki général full. C'était des grades au bango ba lokota, ba bimbamba na mapeka. Et c'est ce qui a fait que Batik na magrade wana tina ndenge pouvoir ici là qui. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément. Ozo sala que Kabila ko sala ngote ezali le présent. Ils ont déjà mal commencé parce que lobi que moto ya le kakanzela o ya si ya le ka ba koki ko compliqué été. Et singel to landaye to yeba nzela oyo mutazo le ka ezanzela bilanga o eza ko mema biso place ba nzete ya mbinzo ezalaka. Mais Kabila yebi nzela mais moye to landaye zate pona nini ba propos loko la oyo ya ba Ferdinand Kambere ya ko kende na dialogue pona ko résoudre problème o ezali ya est mais connaissant bien les conséquences o ezali ya dialogue ezala kanini infiltration arrangement mixage tokoti ba pesi bango ba pété ba o ba lingo ke na armée ba kei bo ba lingo ba ke na administration o moni ba nommé ba DG ba nommé ba ngomba PCA ba nommé ba ngomba ministre. Est-ce que lui-même Kabila lelo aza problème pona insécurité ezali ko le Canada ta Congo. Aujourd'hui Kabila n'est pas ou n'est pas être problème mais le système qu'a laissé Kabila aza serait problème pona sécurité ya mboka. Wana se ko contredire mokonzi a parti na yo le secrétaire général Augustin Kabuya parce qu'il y a le Kabila Bima qui a na molili a informé même ba service té aujourd'hui problème au tout ça na ngoya ba bombardement ya occupation rwandaise makambona sokili qui l'allait comme ça manais la République démocratique du Congo la tête d'affiche c'est Kabila c'est ton secrétaire général Kabuya. Je suis d'avis avec le secrétaire général Augustin Kabuya na pesi mbote bisika za kolanda biso nanga asali biloko wana pambaté. Nanga est sorti dans ce pays avec le statut de président d'un parti politique et avec le statut d'un ancien président de la CENI. Nanga zuma kasi wana wa. Nous parlons de Nanga ou bien de Kabila. Nazo lingana koma place yozo lobake non, CG alobake ke Kabila nda za problème. Très bien. Ça veut dire quoi? Tango basali alliance fleuve Congo. Il y a une bénédiction quelque part. Oyo pesa ki nanga makasi ya kosa biloko wana. Mais nanga pesa ki nanga makasi osa biloko wana. Mais c'était Kabila. Et lelo oyo moto bakanga ki na Tanzanie oyo azalaki conseiller politique et stratégique ya nanga
en matière il y a armement il y a armée pardon en matière militaire mais attends à combo à bateau peut-être ce que tali malamu combo ya Kabila peut tanga makiwana Eric Kouba voilà les messieurs là waza loko là bon na ko finga tena linga ina qualifier na eloko moko malheureusement ça veut dire que les messieurs peut attanga ka combo à Kabila yango moni na côté là ya biano nanga na ebisa ki oké Kabila akoki Kozala ou ne pas être responsable. Il y a bilan que ça pour les canards au niveau est. Petoli Kabila koto ou pas collier ma foot à koto. N'a peteli koto pourquoi? C'est parce que kota l'attitude de Kabila à cause de ça m'a bêté. Oh là. Mais ce qui te compte la misala Kabila m'a bé ezali et belé. Le quoi la m'a béni na. Bon attitude de Kabila yo mon langue ça moto pena ko ça moto m'a bé. Monsanto agneau Kimia Bopolo. Avant la kimia, on dit matériel, sans on coûte à quoi ça. Papa n'a pas même, mais tata n'a pas cardinal Ambongo. Azan a titi de Kabila. So, on a titi de cardinal Ambongo, ou Tiangobo. On a titi de Kabila, ou Tiangobo. Yo, on a dit à Monsanto. Le meilleur cardinal, c'est Kabila. Comment? Le meilleur cardinal, c'est Kabila. On comprend pourquoi dans le week-end, d'un côté, Kabila a tout lavé. Pour la titi de Naye. Ça, je crois que je suis correct avec moi-même. Mais de l'autre côté, misala ya Kabila au sepela na ngote. Eza lokwa la bandeko ya basi o bazala ka kimia. Omoni ni komoya mo seza kimia ke bana basi ya bongo. Mais basi o bazala ka azala ye ouvert. Et c'est comme ça que attitude ya Kabila na kati ya profondeur neza lui ko sala biso ba problème. Chadari a déclaré na mboka oyo que soki Tshisekedi azo continuer ko s'entêter. Nous allons paralyser les institutions aux Ezali provinciales, aux Ezali préétablies. Et ceux qui disent que nous continuer, ce pays sera ingouvernable. Le lot aux Zawapi. Talama Kamouza pour le Ghana Est. Tant au CG Kabuya. Alors bien que Kabila est sorti dans ce pays en Cantimini. Vous pensez que le secrétaire général était bête? Vous pensez que le secrétaire général était moins informé? Nastatinaye. D'abord informateur, proche du chef de l'État, secrétaire général Azana pouvoir ya trouvera na katia IDPS. Vous pensez que a coqui causant information sur le départ de Kabila? Mais écoutez, ça veut dire que le CG Azana qui information que Kabila bimi mboka et kobima Kabila mboka, secrétaire général Augustin Kabuya Azana qui n'a pas information mosus. Makambuza ko le kana est la solution de ce problème. Je crois que Kabila kota la yena titi di na ya ko sunga biso. Mais na ba comportement ya Kabila, Kabila ko sunga biso to zo kimia. Pourquoi? Si aujourd'hui le chef de l'État récit, je le dis bien, si aujourd'hui le président de la République ndenga za ko bunda na ba diplomatie, na ba échange, na ko tia ba moyen, ko changer ba stratégie, ba tactique à longi bitumba est. Ba ko loba nini? Kabila ko ka bitumba wana te, Tshisekedi ya koki, ça veut dire que Tshisekedi est plus intelligent que Kabila. Ça veut dire que Tshisekedi est plus stratège. Ça veut dire que Tshisekedi a un leadership où il a une stratège, il a un visionnaire. Attends, Jean Lissé, vous savez que vous avez un que Kabila. Donc c'est que Kabila a un Tshisekedi a un tombe parce que vous avez plus. Très bien. Très bien. Une guerre, une situation qui a perduré pendant plus de deux décennies. Oui. Vous pensez que Tshisekedi a eu. Dans moins de 7 ans, dans moins de 10 ans, même pas 2 mandats, allons à Biloko Wana. À cause de la meilleure présidente de la République. En dehors, il y a Mamoubou, il y a Vantarambo, Kakimi. Alors, dans mon yon, dans 4 émissions, vous êtes d'accord avec Kabila, vous êtes d'accord avec Chadarité, vous êtes d'accord avec Ferdinand Kamerité. Tout à fait. Mais tout le monde est dans le régime de Bino. Bozozo ngisaka bata Kabila o Kabila lobaka kazana 15 personnes 5 personnes te malamu pembeni nae. Batu o Kabila repusaki, batu o Kabila andimaki te lorsqu'il était président. Mais bino bo récupérer bango, bazo causé bino pi ba problème ebele na gestion. Ka bata Kabila o bozalaki na bango. Mais écoutez, o akala bo finaki. Il faut ozui na niveau national bozongisika ba bilonga Kabila. Ozui même na province o bino IDPS bokomi na gestion à province à Kinshasa, gouverneur à province à Kinshasa, azamutu ya IDPS. Bosu ba ministre provincial bo tie pas na bino. Bolongoli est pas IDP, c'est pas Kabila. Non, Bolongoli ba to est pas Kabila. Boyoko tie bango ba ministre provincial.
bolongoli ba autorité belé ya kabila ya kala ne bo pesi bango bo konji partout et bazali pe ko iba ba ko détourner ba ko sunga tshisekedité et vous êtes à l'aise. Or pendant que bato ba ko kufa na est, pendant que bato ba ko kufa na est, mais musala ezako salema to kangi maboko te chef de l'état asaka ko la pongite asaka ka ko beta makambo na karate. Situation ezali suivi de près. Maman, j'ai dit, t'as où tous en a est. Je ne parle pas de l'est. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour, parce que la pile à Bopessi, Bango place pendant que Batoy de Pes, Obabunda qui n'a pas la balle et l'ongola pour Pétienne, Bako Salaté, mais Bomoni, Bassante, Batamaël et Makasika, Batoy Kabila. Boton d'ici Bango, Naba ministère national. Non, 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 non. Boton d'ici Bango, Naba ministère national. Non, 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 non. Nako qui ko tolérerte avec mon statut, y a conservateur, y a pouvoir. Ya Tshisekedi na ba valeur ya Tshisekedi sme na yoka yo kolobayeke bato bazaba nganga mayele na mboka oyo za bato ya kabila lukuta soki bato ya kabila bazalaki na mayele bazalaki na boyebi oyo leadership oyo Jean Lucien Boussa za ko ignorer ngo na régime ya Tshisekedi. Mais papa, le Congo tolinga ki tozala déjà un pays émergent. Bozu assemblée nationale. S'il vous plaît, assemblée nationale. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nazokoma. Non 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 non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donnez-moi le temps, donnez-moi le temps. C'est moi qui vous m'avez posé la question. Attendez. Donnez-moi le temps, je vous réponds. L'IDPS. Pourquoi Nazolinga ko répondre makambo kali Nazolinga te? L'IDPS aujourd'hui azana ba député ebele na parlement. L'IDPS lelo azana ba sénateur ebele na sénat. Mais bozui sénat bo tekeli ba tumusu ba travailler na kabila bozui assemblée nationale bo pesi un vital caméré qui fit un directeur de cabinet à kabila qui fit à plusieurs reprises ministre à l'époque de kabila qui était un enfant chéri de kabila dona ide pesi wana moto cause la président assemblée nationale azate à cause la président na sénat azate ba koyi ko zo ba ministère o ya titel ya kilo makasa azate ti na assemblée provinciale ah wana Kinshasa aux une gouvernement provincial boton bisika ba ministre ya kabila mais boni soni bona IDPS na bino biso IDPS to koyo kozwa sonité biso IDPS to koki jamais ko permettre mutu oyo awuti na PPRD aya to pesa ye fonction soki za la mutu oyo omoni ba nommé ye aza ko continuer kozala membre effectif ya PPRD. Contredisez-moi sur ce plateau. Tangelangai ministre provincial avec beaucoup de respect oyo na kolongola chapeau pour na pesa imbote le gouverneur de la ville province de Kinshasa le gouverneur Daniel Bumba oyo azali bien aimé na ngai que Dieu vous bénisse oyo a nommé oyo azali membre effectif ya PPRD. Bumba bandi déjà mabé gestionnaire za kitoko na ko banza ye ke batunyonso oyo ba pesi bango misala wana ce sont les gens les membres de l'union sacrée pour la nation. Olobi Makambo ya président Vital Kamerhe. Ne savez-vous pas que pouvoir oyo to bandaki ona Kamerhe. Tango to longwe na Genève touye na Kenya na Nairobi. Mais nous étions avec Vital Kamerhe. Quel que soit ba mabe na ye, mais Kamerhe reste un allié oyo yo azali ko sunga mboka d'une manière d'une autre. Il y a des choses oyo biso to kondanaka et pas la président Vital Kamerhe. Et surtout, Makambo Itali, Makambo Yambongo, ça, nous avons toujours condamné. Mambambongo a salinine. Oh. Mais procès à 100 jours. Mazong Sambongo. Mbongo, mais on a mabongo on a été. Procès à 100 jours. Yo, Mazong Sambongo. Na yoka qui soit na ro banque. Na ro banque. De na yoka qui. Oh, banque wana ya balibane wana. Oh, le soge yindi na mboka bakumi na mbongo baki na bango. Banque wana yitika yin de gola laki. Ah! Ça veut dire que. Ezali batoyo bazali ko accompagner chef de l'état na musala za kosala. Soki kulutu na ngai Eliezer a ko tenir ba propos oyo par rapport ya combat ya ko concevoir ya ko conserver pardon régime ou pouvoir là je vais l'applaudir. Mais soki za na sens ya ko loba yango po batia yeka ba pesa ye loko ça moi je décourage. Eliezer a lobi nini? Ba propos ya Eliezer. Mais mon tout nom zo tout nao ezo zoa ezo tirer au jin nango na ba propos ya leser tinga na ki mambe leser a lobi ten yo ki angote ce que yo ko informer ngai le mona ba to ba ko tango ya lobi ke non pouvoir oyo biso to bundela yango to za ko perdre ngo malem malembe ba to belé ya FCC ya PPRD o to bundisa ne ba za ko zonga na pouvoir. Mais moi je dis que kulutu nanga leser a za na perte de vitesse
bato oyo bazo zwa pouvoir eza bato oyo ba mouye mayo eza bato ba compagnie ki chef de l'état eza bato pe bazaka na FCC cash bazo ya le côté aussi le la ministre à finance na FCC cash azaki nan bazo ya le côté aussi bato belé ba bimi ba ministre awa na pesi mbote na nga e pa na professeur oyo azali ministre ya hydroélectrique na FCC cash azwaki nini toye na sama 1 sama 2 toye na tuluka ressources ressources hydrauliques voilà professeur Justin Luamba voilà en tout cas je crois que avec lui Mikolo Courant Evandi je dis encore Mikolo Penza Courant Evandi je crois que c'est son intelligence et savoir faire batonyo so oyoyo omoni ba pesi bango ba fonction ce n'est pas parce que le chef de l'État aza d'accord, aza conscient que tous ont perdre le pouvoir, n'a pas sa bango. Non, ce sont les gens qui sont avec nous, au sein de l'Union sacrée de la nation. Bon, on l'a vu sur nommé Issou Mende. Tu as que Mende paye Azara Mouta Kabila. Bien sûr. Parce que Mende, à l'ouen na FCC, n'est aïe na Union sacrée. Jean-Tinin Gobila Azalaki, gouverneur, y a ville pour faire de Kinshasa. Azalaki na FCC, n'est aïe kokota na Union sacrée. Chez Okitundu, Azalaki ancien ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, aye kokota na FCC. Geneviève Inagos. Moi qui oyé, to gozo a to aligné. Non, mais écoutez, en politique, tous en a besoin, il y a ba intelligence, il y a ba expertise, na ba connaissance pour faire avancer le pays. On ne fait pas avancer un seul individu ni une seule personne. Tous en a besoin, il y a ko faire avancer oyo ba bengi premièrement l'institution président de la République, l'institut pardon, président de la République. Et puis tozali la deuxième des choses, il y a pour soutenir gouvernement, non assemblée, non parlement pour la rokende liboso. Na tuniyo mutuna. Ata kozolinga na tuno mituna te. Batu oyo moni ba nomé wana, nani oyo azali na carte ya membre effectif ya PPRD, na ya FCC qu'on l'a donné le pouvoir. Citez-moi si c'est plateau. Comme ça dès ce soir, nazo kende lokola tozana la matinée l'après-midi awa. Tout ça la déclaration, tout ça bisaki va retirer batoua dans le gouvernement. Ou comment on a moutouazate. Ça veut dire que tous ces gens, bah outi quelque part, bah yéta moto sali, Union sacrée de la nation, ils ont été aussi consultés. Et après la consultation, chef de l'État a monié que de la même manière, oyo ou travail qui na Kabila. Mais Kabila le va qui est que Azana 15 personnes te ou yako pe sa confiance. Mais à travers chef de l'État, tout ce monde a batoua na Kabila, néglige qui. Oyo lelo oyo tuza kumona baza kusala musala mboka ekende liboso. Bon voilà, merci beaucoup Ndeko Mara Bobola. Alors prenons maintenant axe ya Est la République démocratique du Congo. Lelo ba pesi biso ba nouvelle au niveau de Kanyabayonga, il y a vraiment des avancées du côté wazalendo FRDC, mais biso une grande quantité à mindou qui récupéré, confisqué ezaki na maboka ba rebelle, ezaki na maboka ba terroriste ba militaire rwandais, mais confisqué par les wazalendo à mutualisation na ba FRDC sur terrain na Kanyabayonga. Nous voyons déjà que le M23, le militaire rwandais commence à reculer une grande partie de la cité de Kanyabayonga entre les mains de wazalendo et la FRDC. Oui, je crois que na Mikoloza Koya, peuple congolais azala debout, peuple congolais a préparé déjà Essengo. Parce que FRDC azako préparé réplique moko, je crois que le monde va pouvoir se prononcer sur la situation de l'Est. Ndenge communauté internationale a traité la situation à l'Est avec un regard dédain, avec un peu de négligence et aussi de coterie. Je crois que Bakoloba Ketiseke a commis sanguinaire. Mais nous ne voyons pas dans le sens de Tshisekedi, il y a quelqu'un de comment à ma niveau là. Mais il y a la détermination, il y a peuple Mobimba. Il y a l'engagement, il y a armée Nabiso, il y a service, il y a sécurité, dans service où ils allaient à renseignement militaire. Ils allaient préparer tactique qui manque où ils allaient à ma casse. Les Wazalendo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bamoni, Kayabayonga, ils allaient déjà encerclé. Ils ont eu message. Je crois qu'ils allaient 48 heures avant. Il y a service de renseignement militaire, il y a ba wazalendo. Oyebi chance na biso avec les wazalendo ezanini. Ba to ebele oyo baza pembeni ya ba element ya M23. Ezali ba ndeko na bango ba masa na bango. Omoni ka ndeko za na quartier oyo ke boza na quartier na pe exemple, quartier Lodja. Quartier Yolo Nord par exemple. Bino boza ko bunda na bato oyo baza ko uta par exemple na Rigini. Bazoli nga ko ya ko kota na Yolo. Tango baye ba koti na Yolo, baye ba vandi, yo uzana ba master na Yolo,
mais yo zawapi ozana ipen et ko sala nini ozui téléphone o komi ko benga ba master na yo mon cher kuna situation ezande nini non awa wa totala situation eza bobobo wazalendo akei a infiltré M23 et il s'est fait que le M23 azalaki dépouillé tango ba yeba cercle bango de permettre à ce que non tokende to boto la nini ba dépôt ou izalaki ba munition. Je salue ici le service de renseignement militaire où il y a un peu de temps en collaboration dans Wazalendo. Mais encore, il faut que Kendepe Lissoussou, quand il y a la collaboration entre les éléments, il y a France, il y a SADC, dans le FRDC, dans Wazalendo, il y a un peu de temps en dépôt. Je crois que, comme vous l'avez annoncé, la vidéo est là. Bah comment nous avons récupéré ma munition et aujourd'hui, ma munition est à servir. Dernièrement, service il y a sécurité, conseil supérieur à défense, Bakota qui réunion, c'est parmi les stratégies Oyoyo, chef de l'État, commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, à Mekaki, Kosenga, Naba généraux, Baluka moyen, il y a quoi appliquer, il y a quoi ponanini, tout récupérer. Premièrement, il y a quoi du bosso, tout récupérer, Isa Kayambayonga, tout kende ti, tout récupérer, Nabunagana. Mais il y a quoi du Kosenga, Isali, ba généraux, Oyo, Bazali, na quatre, certains généraux, Oyo baza ko yeba musa na bangote. Général Mobimba akoma homme d'affaires. Général Mobimba akoma na ye mutu ya choko. Général Mobimba akoma na ye mutu ya ba allo allo. Ola. Mais tokolonga bitumba ndenge nini? Tango tuza ko tala ba voisin. On place des gens oyo yo baza na volonté. Mais chef de l'État za na volonté bitumba ici là. Ba pesi confiance c'est pas na ba généraux mususu. Mais ba koma ba homme d'affaires. Tango un général Jésus en colle naza ko loba yango awa na plateau. Tango soda akomi na posa ya kutia choko. Soda akomi na posa ya kusombaka mituka na Dubai baya kuteka yango na kisasa. Soda akomi na posa atonga ndako ya kitoko. Yebaka deja ke soda wana akomi deja oba benga moitié civil, moitié militaire. Très bien. Bon, eko permette yen li susute akende ko kota na zamba bunda. Musala ya soda ezali lata sokoto kota na zamba bunda. Toza na armée na biso ezama kasi. Infiltration, ba généraux mususu, ba sala ka musala te. Musala mango ezaka au côté réunion à Nebobengi. Ah, nenge zaboye, awa wa situation ezabo. Et c'est ce qui fait très mal, yango moni zo sala ke, ba localité mususu, traîtrise ezama kasi. Traîtrise ezama kasi, je dis en colle. Yango zo mona ke, il y a certains généraux, oyo, la fois passée, nous avons connu ce qu'on appelle une réunion stratégique avec le commandant, comment on appelle, le chef d'état-major, Christian Tshiwewe. Il a donné un mot d'ordre avec certains généraux, le service de renseignement militaire et le service de sécurité pour donner un mot d'ordre. Mais pendant qu'ils étaient encore dans la réunion, Jésus encore, les formations ont fait quoi? A fuité. Et le chef d'état-major, il a appelé le président de la République pour lui dire, nous vous avons toujours dit que notre armée est infiltrée. Voilà, j'étais en conseil de sécurité de notre armée, des services de sécurité, des renseignements. Voilà ce que nous avons fait. Mais nous n'avons pas encore fini la réunion. Information a fuité. Très bien. Il y a des gens, certains généraux, je l'affirme, oyoyo, bah ça service il y a Banguna Nabisso. Très bien. Et c'est dommage, ils ont mal à monter. Alors très bien, merci beaucoup. Nous chitons déjà. Bah Yabisi Bisso, il y aura une déclaration au niveau il y a permanence, il y a IDPS pour la compte Nayo. Au ça la déclaration sur base de quoi? Merci encore Jésus encore les to déclaration nabiso tout ça ko salango nous allons les faire c'est pour sauver et c'est pour préserver c'est pour pérenniser les combats c'est pour se réapproprier des combats des sphinx délimités les leaders maximes. Quelques jours passés nous avons connu ce qu'on appelle une menace à propos du propos de l'excellence Jean-Lucien Boussa, je l'appelle excellent parce qu'il est encore ministre au sein du gouvernement de Judith et maman Judith Soumina. Disons que notre pays, nous avons un problème de manque de leadership, de qualité, ni un leadership visionnaire, ni un leadership stratège, ni un leadership gestionnaire. Et nous, les combattants de l'IDPS, et en particulier les combattants de l'IDPS des territoires de Boudjala et de la province de Sidou Bangui, nous n'avons pas apprécié cette attitude de Jean-Lucien Boussa. Nous avons dit que ce monsieur a placé la barre très haute, tout en menaçant les régimes de Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Lorsqu'il est en train de critiquer le leadership des chefs de l'État, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que Jean-Lucien Boussa a ignoré même une vision où Étienne Tshisekedi de Azaki Nango, il y a qu'à asseoir une démocratie, un État de droit
et puis ya ko pesa o ba bengaka projet ya le peuple d'abord lelo toza ko ta ndenge chef de l'état za ko travailler. Pensez-vous que soki mboka ezala ki na leadership ya malamu te nde to linga ki tozo lever embargo attendenge bazongi siango? Pensez-vous que soki toza ki na leadership ya malamu te nde lelo kanga ma linga ko za na biloba loba? Pensez-vous que soki toza ki na leadership ya malamu te mbele lelo oyo baza ko kanga bato pona détournement Jésus en colle? Soki toza ki na leadership ya malamu te, est-ce que lelo tangwe kokio yo yo